L'affaire qui se passe chez nous aujourd'hui, il y a longtemps, je vous ai bien dit que j'ai grandi dedans. Je connais beaucoup de choses. Et qui a envoyé ça? C'est Alpha Condé. C'est Alpha Condé qui a toujours envoyé les idées sataniques là, dans la tête de nos frères et nos soeurs et nos papas et nos mamans et nos grands-mères qui ont grandi derrière lui là, dans son combat là. Donc il les a changés. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Demandez bien Alpha Condé. Il peut manipuler, il a manipulé beaucoup de personnes, mais il connaît nous les Thomas, nous on ne manipule pas. Nous on n'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler. On aime notre pays. Quand il est parti prendre le temps de compter, il est parti prendre les rebelles là pour les faire rentrer à Massanta. Il faut demander ce que les Thomas les a montré. Demande Alpha Condé. Et quand il est venu au pouvoir encore, il voulait toujours créer même pagaille là. Il est parti mettre deux sages à Zérékouri là-bas. Parce que leur clan satanique là, ça est là-bas. C'est pourquoi ce n'est même pas les malinqués seuls qui sont dedans. Ce n'est pas les malinqués seuls dedans qui sont dedans. Il y a les forestiers dedans, il y a les peuls dedans, il y a les soussous dedans. Si tu vois aujourd'hui que les soussous sortent pour dire, les vrais soussous sortent aujourd'hui pour dire qu'ils ne sont pas derrière Kassori, ça veut vous dire beaucoup de choses. Parce que leur clan satanique là, ils ont toujours préparé ça pour manipuler nos parents. Pour trafiquer nos parents. Ceux qui vont sortir dans leur bouche là pour dire à la population, ils ne vont pas faire. C'est juste arnaquer les pauvres populations et aller donner l'argent à certains individus pour que les gens là mettent. Parce qu'ils veulent, enlever la vidéo là encore. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Nous, on est là pour dire la vérité à nos frères et nos soeurs. Pour ne pas qu'ils vont vous suivre. Parce qu'ils sont assis là-bas aujourd'hui, pas de travail. Vous allez commencer encore à venir les manipuler. C'est donc que vous les avez manipulés là. Ça, c'est leur problème. Et ils n'aiment pas la Guinée. Parce qu'ils sont toujours là. Même en Europe, ici, ils sont parmi nous. Ils sont partout, partout. Vous les avez manipulés. C'est pas tout le monde qu'on manipule. Votre clan là, ça est partout. Même les blogueurs sur les réseaux sociaux, ils sont là. Quand vous commencez vos manipulations là, vous allez leur faire parler de certaines choses pour juste faire occuper les peuples sur ça pour que vous allez puisse vous en sortir. Cette fois-ci là, ça ne va pas marcher. Moi, je serai là matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Pour faire comprendre à mes frères et sœurs que trop c'est trop. Il ne faut pas qu'on rentre dans ce jeu-là. Donnez-nous la main pour l'avenir de nos enfants. Beaucoup d'entre nous ont grandi dans la souffrance. Vous le savez ça très bien. Beaucoup d'entre vous ont suivi des chemins qu'ils ne voulaient pas suivre. Mais à cause de la difficulté, ils ont pris ça. Vous êtes parmi nous aujourd'hui. Et d'autres ont des enfants aujourd'hui. Donc, suivez le bon chemin. Unissons-nous pour que nos enfants-là, ce qu'on n'a pas bénéficié hier, nos enfants-là puissent bénéficier demain. La Guinée, c'est pour nous tous. La Guinée, c'est pour nous tous. Façon dont on s'est grandi, se voit comme ça là. On va se prendre comme ça. La terre là n'appartient à personne. Le monde là n'appartient à personne. Il y a les Guinéens aujourd'hui qui sont au Sénégal. Ils ne veulent même pas rentrer maintenant chez eux parce que là-bas c'est bon pour eux. D'autres sont au Nigeria, partout dans le monde.
Là où qui est bon pour toi, c'est là-bas chez toi. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Les voleurs là vont venir. Ça fait combien d'années ils sont dans ça? Rien n'a changé au pays. Et vous allez vous regarder, vous asseoir encore les regarder. Il est temps qu'on se unit. Ils ne peuvent pas venir mettre les pagailles là seulement chaque fois entre nous. Et puis ils sont là à s'enrichir. La souffrance c'est pour nous. Demain encore, si c'est gâté, ils vont venir nous dire encore unissons-nous. Et pourtant, c'est eux qui sont là à mettre le feu entre nous. Demandez un guerrier. Il ne va pas te dire, voilà ce que le peuple m'a fait. Ou bien, voilà ce que le soussou m'a fait. Hein? Je sais qu'il y a des petites histoires qui se passent entre nous dans les quartiers, mais ça se finit. Mais leur méchanceté là est trop. A fait que tout le monde s'est éloigné de tout le monde sans cause. Il faut qu'on regarde la partie là. Qu'on ne se laisse plus maintenant manipuler avec les gens comme ça. Parce que Satan est déjà dans leur corps. Il ne faut pas qu'ils ont transformé la Guinée à un pays. C'est-à-dire, il n'y a pas la guerre, mais... il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Les Guinéens n'ont pas la paix chez eux. Donc, il ne faut pas qu'on se laisse dans leur système satanique là. Quand ils voient la vérité, ils ne veulent pas mettre la vérité à sa place. Pour réussir, c'est le mensonge. Ça, c'est leur système. C'est le mensonge seulement. Donc, il faut qu'on ait habité avec ça. Il faut qu'on dise maintenant non à ça. Ces couturières, c'est pour tout le monde. Forestier peut gérer là-bas. Peul peut gérer là-bas. Malinké peut gérer là-bas. Soussou peut gérer là-bas. La Guinée, ce n'est pas seulement les soussous et les malinqués qui sont là-bas. Dans les autres pays, il y a beaucoup d'ethnies là-bas. Il y a beaucoup d'ethnies là-bas. Mais ils sont unis pour parler quelque chose pour que leur pays puisse aller en avance. Il ne faut pas qu'on vienne regarder les personnes qui ont mis le pays en retard. Quelqu'un qui devrait être en prison aujourd'hui. Pourquoi vous avez fait sortir Alpha Condé alors? Après Alpha Condé, c'était qui? C'était pas Kassori? Si c'est pas votre sorcellerie et puis mélanger les choses, est-ce que Kassori devrait se promener dans la ville de Conakry aujourd'hui? Vous pensez que les Guinéens sont bêtes maintenant? On n'est pas bêtes. C'est les bêtes qui vous suivent. Que vos sataniques les a attrapés là, qui vont vous suivre. Nous, les vrais là, on ne va pas accepter. Et on va toujours être là pour parler à nos frères et soeurs pour ne pas qu'ils tombent dans votre piège là. Dans votre piège là. Dans votre arnaque là. Venez diviser les gens. Profitez. Alpha Condé a fait ses 11 ans là. Qu'est-ce qui est sorti dedans? Qu'est-ce qui est sorti dedans? Zéro. Les Guinéens sont sortis dedans. Zéro. Il a tué les enfants des autres. Il a mis les enfants des autres en prison. Détourné l'argent. Sorti comme rien n'était. Vous pensez qu'on va s'asseoir comme ça, regarder ça sans rien dire? L'argent volé que Kassori a pris là, ça y est dans là où il a déposé. Vous pensez qu'on va s'asseoir encore, il va prendre ça, venir manipuler nos parents? On préfère la mort que ça. Ça, c'est pas l'affaire de Soussou, ça.
Quand un soussou fait du mal, on doit lui dire la vérité. Quand un malinqué fait le mal, on doit lui dire la vérité. Quand un peuple fait le mal, on doit lui dire la vérité. Quand un forestier fait le mal, on doit lui dire la vérité. C'est ça. C'est ça. Votre système sale, là, même les blogueuses qui sont, les blogueurs et les blogueuses qui s'insultent, qui ne sont pas dans la politique, là, l'idée, là, est dans leur tête. Il y a les autres pays qui font leur sauge, ils ne parlent pas l'affaire Bettini dedans. Ils vont faire leur jeu, là, s'insulter entre eux, et puis ça se passe. C'est faire de l'argent, et puis ça se passe. Mais c'est nos parents guinéens, nos soeurs qui sont, et nos frères qui sont ici, là. Quand ils commencent à se classer, ça rentre maintenant dans l'affaire de choses, comment dirais-je, dans l'affaire de ethnie. Parce que c'est leur jouer ça. Ils vont commencer maintenant à dire que les personnes, les races là sont comme ça, les races là sont comme ça. Arrêtez ça. Tout ça là, c'est toujours pour nous diviser. Pour nous diviser. Vous êtes guinéens, si vous êtes là à faire le classe, pour vous enrichir, vous tous, vous êtes guinéens. Insultez entre vous là-bas et puis vous allez arranger encore la paix rentre. C'est comme ça les autres font ces yeux. Mais jusqu'à s'insulter, allez maintenant, fais pagaille. Tu vois maintenant, tout le monde a ses clans, ça s'insulte comme ça, ça envoie pagaille encore en Guinée. Les gens n'ont pas la paix du cœur. Comment un pays peut développer comme ça? Donc, mes frères et soeurs, regardez de ce côté. Il faut qu'on change beaucoup. Qu'on se donne la main, qu'on puisse développer le pays là ensemble. Si tu fais et que c'est pas bon, on te dit, tu sors, tu pardonnes. C'est ça la vie. Chaque personne a des défauts. Mais il faut pas qu'on voit que tu as dans ton ethnie, il y a quelqu'un qui se comporte mal, mais tu lui suis seulement et il est là à mettre le pays en retard. C'est pas normal. C'est pas normal ça. Donc je profite dans ça pour dire à les sages soussous, les sages dignes malinqués, les sages dignes forestiers, les sages dignes peuls, il faut qu'il faut que vous allez prendre le courage à corriger. À corriger vos enfants, c'est normal. Il ne faut pas que vos enfants fassent du bêtise et que vous êtes là à les supporter dans le bêtise là. Ça ne peut pas avancer le pays. La Guinée, c'est pour nous tous. Si on ne se dit pas la vérité, rien ne pourra changer. Si on ne se corrige pas entre nous, rien ne pourra changer. Si on ne se pardonne pas entre nous, rien ne pourra changer. Donc, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, il est temps de se dire la vérité. Quand Soussou gâte, disons la vérité pour que les autres ethnies vont voir ça. Quand c'est sur les autres ethnies encore, corriger l'intéressé devant les uns pour que les autres ethnies prennent du leçon là-bas. C'est ça la vie. Dieu nous a mis déjà ensemble. Quoi qu'on fasse, on dit bien langage là, malinqué. Bote bogbena sunukula. Bote bogbena sunukuna bi. Bote bogbena sunukuna sini. En souma, elle est l'agneau non yamma. Tcho! C'est ça la vie. Donc la Guinée est une beauté pour Bena Sunguna, mais même pas à cela fait, Katunya Fawonye. Ça rassit tout le Fanaya ma fene. Et quand on a tenu supporter la vie à Kante. Vous le bras n'a jamana toko. Vous le bras n'a jamana toko. Bramoya teni no bi. Bramoya teni no sini. Nyagba me la Guinée bi. Manika kelenta tala. Fula kelenta tala. Soso kelenta tala.
Bressé que les tatan, Arasi Bella tala, yon fait. Il te ni badema supporte la coronia kambi. A ba coronia ke, a fan yon kwa abra coronia ke. A ibra ton yon supporte la coronia ou le ka wou la gine, te wala nye fe bi. A te wala nye fe, a ye kofè. Kokoro nou brake ka jamana fa. Si te sa nou make la, men ba men di abi woye oke, fo yi te faro. Aya yo. Aya nyama ka anye ke kere ndi ka jamana mena dawa nye fe. Colonel Doumbouya, ina nine iko anye biaro. Je parle ça dans ta langue pour que tu vas écouter. Inanine iko anye biaro. Ite se na la fana ni ka kregbre kreyante ma. Ou te se bena. Inanine iko anye biaro. Ika dadis labo ou di kanadi. Kase kuba kuna te labo ou di kanadi. Itre kakan katos la ou li kan sa benye do jamana kon. Ima kante fana kana kregbre la ouli. La gine kal ou brase. La gine kal yo yoro mena te boutou. Aïté qu'elle est là. Même nous t'avons fait Yamana et bien. Même ils sont. Parce que nous avons écrit là les mots sont. Aïe Yamana ni la voyant fait, ni où le fait. Yamana dès nos bras trop. Kokoron bras ou la Guinée. Il te sent à la cave. Pourquoi la Guinée dès nous y a eu boulot de nyoma. Ye banfana ye kere bre prepare ante na dinya la wo ne be na boya suni tele ka tunya fa ye ndo te sila na fana nte sila na bi nte sila na sini parce que nye video ke mena nye tunya le fola sana je mana ye wanye fe nta fe nkana je mana ye nya su mena parce que nye je mana to li la ibrabo ika den so yoro mena ika lo o li ye den ko lu mena la nyama ini muso me ye nyon fe Ika lo oyala tu abumuso o bara enyama naibora tunkana hala ina do fendi me ayi hankili nyuma takana la bara jamanaka ka jamana la wanyefe wule kafsa aite sa fola ka fo anye be ayi na kele pre organize ate se bena ayi blasterias laka ne be men fo anye suni tele wule wonya ayi bla Sreyas laka, anye wole fe. Ante kele si kwa te boutou. Le Guinéen est fatigué. Le Guinéen est fatigué avec la manipulation. Le Guinéen est fatigué avec le mensonge. Le Guinéen ne veut plus voir maintenant son pays comme ça. On est là pour la paix. On est là maintenant pour se unir et développer le pays là ensemble. Vous qui sortez, parce que vous êtes là à détailler, Baga et Soussou, c'est comme ça. Tout ça là, c'est pour vous mettre pas là partout. Baga et Soussou, ils se connaissent, ils vivent comme ça ensemble. C'est pas vous les escrocs qui vont venir détailler ça. Nous, on n'est pas là pour ça. Quand vous partez à Zérekoulé, les Manon et les Tomamania et les choses, nous, on n'est pas les Tomamania et les Toma. Ont toujours vécu ensemble dans la paix. C'est pas vous les escrocs qui vont venir détailler ça. On vit toujours ensemble. Les malinqués qui sont quittés à Cancan pour ça, ils sont à Zérékouré. Allez-y à Zérékouré aujourd'hui. Allez-y à Zérékouré aujourd'hui. Vous les malinqués indignes qui sont là aujourd'hui, à même pas là partout. Allez-y à Zérékouré aujourd'hui. J'ai grandi là-bas. Façon donc les guerriers. On laissait les malinqués vivre bien là-bas. Allez-y à Cancan, c'est comme ça. Allez-y à Soj, comment dirais-je? À Siguirin, c'est comme ça. S'il vous plaît, quand on vous montre le respect, restez derrière ça. C'est très important. Restez derrière ça. Je ne veux pas rentrer dans beaucoup de choses. Tout ce que je peux vous dire, colonel Doumbouya, tu nous as dit de se donner la main. Il faut rester sur le chemin là. Ne viens pas nous diviser.
ne vient pas diminuer certaines ethnies. Nous tous, on est Guinéens. Façon donc les Soussous et les Malinkés sont Guinéens, c'est comme ça, les Peuls et les Forestiers aussi sont Guinéens comme ça. Arrêtez de mettre les deux ethnies là à l'écart. Arrêtez. Si vos parents ont pu manipuler nos parents comme ça hier, nous, on ne va pas vous laisser faire ça. Plus jamais. On est comme ça. Le monde là n'appartient à personne sauf le bon Dieu. Donc, de façon dont il nous a mis ensemble comme ça, on doit se donner la main pour continuer la vie comme ça. À cause de votre satanique là aujourd'hui, les bonnes relations sont gâtées. À cause de votre satanique là aujourd'hui, les bonnes amitiés sont gâtées. Pour ne rien. Pour ne rien. Si ça arrive à les forestiers, vous allez sortir mentir ici, 3-1. Ça arrive à les peuls, 3-3. On n'est pas dans ça maintenant. Votre jeu là, on a compris. Diviser et régner là, et sans travailler le pays, on ne va plus vous laisser maintenant dans ça. Ça, c'est fini. Donc, tout ce que je peux vous dire, la famille, nos sages dignes qui sont là, levez-vous et parlez à vos enfants matin, midi, soir pour qu'ils puissent prendre le bon chemin. Les sages forestiers, les sages Soussous, les sages dignes Malinkés, les sages dignes Peuls, levez-vous, vous allez parler à vos enfants de se donner la main, que c'est l'union qui fait la force. C'est tout ce que je peux vous dire. Pour que le pays là soit stable maintenant. Pour que le Guinéen soit heureux dans son propre pays. Pour qu'on soit la paix, pour profiter ce que Dieu nous a donné. S'il vous plaît, il est le temps, la souffrance est trop maintenant. Trop! On ne peut pas continuer dans le système satanique là. On ne peut pas. Donc votre fille, votre soeur, est là ce matin pour vous dire, levez-vous ensemble pour que le pays là gagne la paix du cœur. Pour que la nouvelle génération soit heureuse demain. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, colonel Doumbouya, ce que je peux augmenter sur ça, tu es venu, tu as dit qu'on va se donner la main. Je veux que tu continues sur ça. Je veux que tu continues sur ça, colonel Doumbouya. Si tu es venu pour donner la paix, si tu es venu pour unir les Guinéens, il faut continuer le chemin là. Il faut continuer le chemin là. Tu as vu que Alpha Condé n'a pas pu faire un bon travail. Toi, tu ne peux pas venir suivre le même chemin. On ne va pas te laisser faire ça. On ne va pas te laisser faire ça. Alpha Condé a envoyé les rebelles. Nous, on n'a pas peur. Je vois les gens qui sont là à dire que c'est contre militaires et civils. Sortez. Alpha Condé a envoyé les rebelles à Massantas. Les rebelles sont rentrés là-bas à quelle heure? Il faut demander les rebelles là aujourd'hui. Ils jurent
sur les choses que si je fais ça pour et que je pars à ma santé. Il faut leur dire ce que nos parents Thomas les a montré. Nous, on n'a pas peur, même si tu as le physique là. On a des choses aussi qui sont plus fortes que physique là. Si c'est pour que je ne souhaite pas, c'est pourquoi je sors chaque fois pour vous dire, donnez-nous la main, c'est l'union qui fait la force. Si vous ne voulez pas donner la paix à les Guinéens, n'envoie pas problème à les Guinéens. Ne mets pas problème entre les Guinéens, s'il vous plaît. On n'a pas peur de physique. Chacun connaît derrière lui. Chacun connaît derrière lui. Même si tu es à physique, si tu viens pour nous provoquer, on va te montrer quelle couleur on a. On va te montrer combien de visages on a. Il y a des vrais Guinéens qui aiment leur pays, qui peuvent se lever contre ça. Donc, il ne faut pas qu'on arrive à ce côté. Mettez les balles à terre pour que la paix rentre en Guinée. Ne viens pas nous mélanger ici encore. Votre jeu là, on ne va pas se mettre dedans maintenant. Ceux qui sont derrière ça là. Allez-y, vous asseoir dans un... C'est des individus même qui parlent. Je vais même publier vidéo là après. Je vais cesser de publier. Ils sont partis s'asseoir dans la maison de Kassori là-bas, vivre Alpha Condé. C'est les individus comme ça là qui vont créer certaines choses là-bas, payer certains jeunes maintenant sur les réseaux sociaux, venir arnaquer les pauvres parents, mettre la Guinée encore en retard. On ne va pas vous laisser ce temps-là. Le temps qu'on est maintenant, trop c'est trop. Trop c'est trop. Le pays là doit bouger. Ça doit bouger. Que vous voulez ou pas, ça doit bouger. On attend. Ce que vous êtes là à préparer là, on vous attend. On vous attend. On vous attend. Donc tout ce que je peux vous dire, Koulin Doumbouya, il faut prendre les choses comme ça se doit. Tu veux que la paix rentre en Guinée? Il faut prendre le chemin là. C'est tout ce que je peux vous dire. Il faut prendre le chemin là. Tu ne peux pas venir sortir au dehors, rire avec les personnes, faire semblant avec les gens comme si tu es là pour eux. Au fond de ton cœur, c'est différent. On ne va pas te laisser. Mon frère, on va pas te laisser. Nous tous, on a grandi dans la galère. On connaît que de dire ça. Nos enfants ne vont pas venir traîner dans ça. Nos petits-enfants ne vont pas venir traîner dans le même système. Il faut que ça change. Il est le temps de changer. Et tout va changer. Sauf si Dieu n'existe pas. Mais si le bon Dieu là existe, il ne va pas vous donner la force de continuer le satanique chemin là. Ça c'est fini. Ça c'est fini. Donc le message qui était là, la famille, c'était ça. Donnez-nous la main, c'est l'union qui fait la force. C'est pourquoi je vous dis matin, midi, soir. Donnez-nous la main, c'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. Parce que souffrance qui est en Guinée aujourd'hui, c'est pas une seule personne qui prend ça, c'est tout le monde. Donc mettez la partie là dans votre tête pour qu'on puisse se donner la main. Dis non ensemble, dis oui ensemble. C'est ça qui est la vérité. Donc bonne journée à tout le monde. Que Dieu soit avec nous. Amen. Que Dieu envoie la paix qu'on cesse en Guinée. Que Dieu tombe encore les ennemis qui sont là, qui ont toujours mettre le pays là en retard, que Dieu leur tombe. Mon prière, c'est ça, matin, midi, soir. C'est ça, matin, midi, soir.